Sainte Thérèse de Lisieux, une vie d'amour pour le Christ. Dieu est amour. Il nous a tant aimés qu'il a envoyé son Fils unique afin que nous soyons sauvés du péché et que nous ayons la vie éternelle. Notre chère Thérèse, à son jeune âge, est très aimante. Elle commence par aimer tout ce qui reflète la beauté de Dieu. Elle aime sa famille, elle aime la belle nature, la création, l'humanité, les pécheurs. Elle aime la Vierge Immaculée et surtout, elle aime d'amour pur Jésus, son immortel époux. Notre Sainte Thérèse a expérimenté dans sa vie les paroles du psaume 23. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des pâturages agréables et fertiles. Il me conduit doucement le long des eaux. Il conduit mon âme sans la fatiguer. Mais lorsque je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, parce que vous serez avec moi. » En effet, elle disait, « Toute ma vie, le Seigneur s'est plu à m'entourer d'amour, qui a rendu mon cœur affectueux et sensible. » L'amour de notre Seigneur se révèle aussi dans l'âme. En effet, le propre de l'amour étant de s'abaisser, toutes les âmes agissant ainsi ressembleraient à des saints. Le Christ, à travers son amour pour nous, nous exhorte à l'amour du prochain. Il nous dit dans sa parole, « Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. » Selon Thérèse, vivre d'amour, c'est donner sans mesure. Vivre d'amour, c'est bannir toute crainte en vivant dans la joie et la paix du Christ. Faire un cœur à cœur avec toi, Jésus, il n'y a rien de tel qu'une belle preuve d'amour. Or, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Jean 1, au chapitre 4, verset 16. Thérèse, à travers les difficultés de sa vie, la mort, la maladie, elle a choisi les voies de Dieu, de grandir dans la foi, de demeurer dans l'amour de Dieu. Elle a pu, à travers la maladie, expérimenter la grâce de la guérison. Oui, Dieu est d'une infinie miséricorde, lent à la colère et plein d'amour. Il n'y a pas de plus belle preuve d'amour que l'amour de Dieu pour nous. Ma seule paix, mon seul bonheur, mon seul amour, c'est toi, Seigneur. Demandons à notre Sainte Thérèse, dans son immense bonté, d'intercéder et de prier pour nous. Amen.